to make a mountain of. Your life is just a choice, but I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time, always love. Don't wait till the finish line. Slow demands come round, squeeze the air and keep the rest out. It helps to ride it down, even when you then cross it out. But always love, hate will get you every time. Always love, even when you wanna fight. Self-directed lives, I wanna know. Alors, on essaie de les identifier pour voir si on peut habiter dessus. Mais avant même de les identifier, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les trouver. On essaie de les trouver. Pour... La télévision n'existait pas. Le téléphone n'existait pas. Et l'école, elle existait. Oh, bien. Alors en France, à cette époque-là, je me mets à l'ombre avec vous. En France, à cette époque-là, on avait déjà des observatoires. Bon, en fait, on n'en avait qu'un seul. Il était à Paris et il avait des petits problèmes pour bien fonctionner. Donc, on avait une personne qui était très très riche qui s'appelait Raphaël Bischoffsheim. Prenons encore un peu de recul. On
on s'aperçoit que ces galaxies sont regroupées en amas. Cratères, il y en a partout des cratères sur la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la Lune, bah en fait, quand il y a des objets qui tombent, est-ce qu'il peut y avoir des étoiles filantes avant qu'ils touchent le sol, ces objets? Non. Pourquoi il ne peut pas y avoir d'étoiles filantes sur la Lune? Parce qu'il n'y a pas d'air. Donc ça veut dire qu'il y a tout qui tombe à la surface, il y a tout qui s'écrase, et c'est pour ça qu'elle est recouverte de cratères comme ça. Bah c'est ça, c'est les deux. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, ici, on a donc la Grande Ourse, et la casserole, vous voyez, c'est un sous-ensemble de la Grande Ourse. C'est juste qu'on a enlevé des étoiles de la Grande Ourse, là, pour faire la casserole. Mais sinon, c'est pareil. Mais il est trop beau. Et aussi, oui, vas-y. Et aussi, la petite ourse qui est un peu plus loin, qui est juste là, et qui va être très, très, très importante pour nous. Vous allez voir pourquoi. Ouais, bien joué. Et maintenant, quelle est la température de ce gain? Ok, voilà, maintenant il faut chercher là. Alors, c'est où? Entre quel nombre et quel nombre se trouve en dernier? Celui-là? Exactement. Entre 10 000 et 25 000. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme petite boule? La boule. Alors, il y en a une qui est un peu plus c'est proche de la couleur, c'est celle-ci, tu vois. Okay. Voici ce gain. Maintenant, le but du jeu, ça va avoir quelqu'un ici. Vous allez tourner après, hein. Tout le monde va le faire. Qui va se placer toujours à la même distance. Donc là, on se place à peu près à cette distance-là. Voilà. Là, tu regardes bien, tu peux regarder avec un œil fermé pour mieux voir. Tu vois bien l'image? Ok, super. Maintenant, les deux autres. Vous allez aider votre camarade et vous allez trouver tout d'abord sur quelle ligne placer ce gain. Donc les noms, ils sont là. Hein. Où est-ce qu'il est ce gain-là? Sur quelle ligne il faut la placer? À quelle distance? Fidèles les uns les autres. Alors, bien sur la ligne de ce gain, la ligne pointillée ici. Tu vas la déplacer et il va te dire à quel endroit tu vas la placer. À la droite.
Voilà. Une fois que tu as dit stop, tu peux la planter. Hop, comme ça. Et maintenant, tu peux déplacer la boule comme ça pour bien l'aligner. Et c'est lui qui va te dire quand est-ce que c'est bien aligné. Une fois que c'est bon, vas-y. Non, mais nous, on en est. Température 9040. Donc, ça va être. Non. Non, mais quelle couleur, Adrien? Mais je sais pas, je regarde. Mais c'est vert bleu clair, 10 000, 25 000. Mais non. Mais si, c'est quelle planète? C'est Pécope. Cher temps. À ta gauche. Là. Encore un peu. Je vais voir côté. Top. Alors, cher temps. Cher temps. Je me dis stop. Ben là c'est bon. C'est température. Oui, c'est là. Température. Vas-y, commence. Tu vois, c'est à... Là, c'est par exemple, là, c'est... Attends, mets la droite. Regardez là. Stop. C'est sûr, là. Non. Encore un petit peu. 21 000. Non, mais on va faire dans l'ordre, on va en faire une première déjà. 21 000. 21 000, c'est quelle couleur? Bleu ciel. D'accord? Alors cherchez. Bleu ciel. Okay. Très bien. La danse des planètes. C'est-à-dire, alors oui, on va appeler ça aussi. Ça finit toujours pareil. Ah, c'est comme ça. Alors, moi, ce que je veux, c'est moi le soleil, et vous allez donc faire. Voilà. Je vais faire une danse. Tournez autour de moi. Oh, j'adore. Et alors, et mais dans oh, l'ordre. Ah, bah merci. On tourne pas n'importe comment. La danse. Vous vous mettez à une longueur de bras. Mettez-moi la queue leu-leu à longueur de bras. Voilà. Dans le bon sens. Mais non, toi t'es avec moi. Voilà. Est-ce qu'une de vous deux peut faire la ceinture d'astéroïde entre les deux? Oui, moi je suis la ceinture d'astéroïde. Est-ce que vous êtes à une longueur de bras là? Ah oui, mais comment vas-tu? Pénélope. Une longueur de bras par rapport à l'épaule. Mais vous, vous êtes tous les deux ensemble. Très bien. Mais c'est... Allez, Virgile. Voilà, et toi, t'es là. Alors, après, mettez-vous les quatre planètes gazeuses. Ah, pareil. Virgile. Tous à une longueur de bras. Oh, une longueur de bras, monsieur. Mais bon, je vais faire tout le bras. Tu tends ce bras, mais tu le tends ce bras. Voilà, merci. Tends le bras, toi aussi. Heureusement qu'il y a Elsa. Hein. Allez, Loan. D'accord. Ok. De trois temps. Maintenant, vous êtes comme ça. Vous reculez tous de deux pas en arrière, parce que là, on est trop serré. Oui, mais c'est moi qui recule pas. Voilà. Mais lâche-le. T'es pas obligé de le tenir. Ah, ok. Non. Tu veux bien tourner si tu peux? Voilà, merci. Tu tournes autour du soleil. Une journée. Les étoiles filantes. Non, est-ce que j'ai dit? Pour l'instant, j'ai dit on part après les étoiles filantes, les comètes. J'ai trouvé. Deux jours. Tu tournes évidemment. Ta main. Et après. Donc, on ne confond pas une étoile filante qui n'est pas une étoile. C'est quoi une étoile filante? Dis-moi. C'est ça, non, pas de la poussière d'étoile. C'est ça. Non, arrête de bouger. C'est quoi une étoile filante? C'est composé de... Face au soleil, parce que le soleil il bouge pas. Et maintenant position nuit. Ah non, là c'est la Terre pour jour-nuit. Elle bouge sur elle, donc tu reviens ici. Voilà, donc là tu es en position jour. Et donc là tu es en position nuit. Et là, on va dire, on est au mois de juin. Donc quelle étoile tu vois? Sachant que les dames là devant, ce sont des étoiles. Ah, bah alors je vois la maman de Mila, okay. Je vois Lisa, je vois la maman de Tina et je vois maîtresse. Voilà, donc ça ce sont les étoiles que tu vois. Et maintenant,
Ouais, toi aussi. À moitié. Voilà, moitié. T'es une moitié d'étoile, toi. Et toi, maintenant, tu te mets 6 mois plus tard. Donc, 6 mois plus tard, pour faire 6 mois, quand la Terre, elle tourne autour du Soleil, elle se retrouve où 6 mois plus tard? Non, de l'autre côté. Non, si tu tournes sur toi, c'est juste jour-nuit. Pour faire les mois changer, les saisons, c'est quand la Terre tape. La Terre tourne autour du Soleil. Et donc, 6 mois plus tard, tu as fait, sachant qu'une année, c'est 12 mois, 6 mois plus tard, tu as fait la moitié du chemin. Donc là, est-ce que tu es en position jour ou en position nuit? Jour. Jour. Quelle étoile tu vois? Rose, mais là. Non. Si tu es en position jour, tu vois qu'une étoile. C'est le Soleil. Bah, le Soleil. Bah, voilà, le Soleil. Parce qu'il éclaire tellement que les autres sont là. Et c'est pour ça, hein, les étoiles, elles sont toujours là. Mais on ne les voit pas toujours à cause du soleil qui éclaire fort. Donc mets-toi en position nuit. Et donc là, tu vois quoi comme étoile? Moi, là, à moitié Aïdel et voilà. La Terre.